Hey, salut tout le monde, c'est Flipsy, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre, à la miniature et aussi à l'écran, on se retrouve pour parler de la Chine dans l'espace. Voilà, donc la Chine, un pays d'Asie, voilà, je pense que vous connaissez, il y a le drapeau en bas à gauche. Et la Chine, elle a quand même une place assez importante dans l'espace, puisqu'elle a sa station spatiale à elle. Voilà, elle participe pas à la station spatiale internationale, elle a vraiment sa station spatiale à elle, des astronautes, des taïkonautes, on dit comme ça en Chine, mais on peut aussi dire astronautes, ou spationautes, ou cosmonautes, voilà. Mais on dit plus taïkonautes en Chine. Donc voilà, la Chine dans l'espace, à droite la station spatiale chinoise, un peu plus à gauche le logo de la CNSA qui est l'agence spatiale nationale chinoise et le drapeau de la Chine. Donc on va directement commencer. Voilà la présentation du coup au début de la CNSA, ensuite de la station spatiale chinoise et les fusées. Les fusées des Chinois, parce que vraiment ils en ont plein. Mais vraiment. Voilà. Donc, allez, un peu de texte, mais je vais vous le lire. Si vous n'avez pas envie de lire, c'est pas grave, au pire fermez vos yeux, je vais vous lire le truc. En 1982, là, ouais, je vais réussir à parler moi. Il y a eu la création d'un ministère de l'industrie spatiale, transformé en 1988, donc 6 ans après, en ministère de l'industrie aérospatiale. Voilà, donc ministère de l'industrie spatiale, et après industrie aérospatiale, quelques années après, 6 ans après. En octobre 2020, il y a eu une sélection de 18 taïkonautes, donc 18 personnes destinées à aller dans l'espace. Comme ceux qui sont dans l'ISS en ce moment, ou ceux qui sont d'ailleurs dans la station spatiale chinoise en ce moment. Il y a eu 17 hommes et une femme qui habiteront la future station Tiangong 3. En fait, je sais pas pourquoi j'ai retiré le mot futur, parce que c'est totalement l'actuelle station Tiangong 3. C'est son nom, voilà. Comme l'ISS c'est International Space Station, station spatiale internationale, bah eux c'est Tiangong 3. Tiangong, je dis Dong à chaque fois, mais non, c'est Tiangong 3. Voilà, donc CNSA, si on traduit en français, ça fait Administration Spatiale Nationale Chinoise. Définit la politique spatiale nationale, gère la coopération internationale et met en œuvre les orientations du gouvernement chinois dans le domaine spatial. Voilà. Donc il gère pour l'international, il gère pour juste au national, juste en E en fait. Voilà. Il y a trois départements, ingénierie des systèmes, sciences, technologie et contrôle qualité et affaires internationales. Donc dans ingénierie des systèmes, il y a le développement et la planification de l'industrie spatiale, la fabrication et l'essai des systèmes spatiaux. Dans la partie sciences, technologie et contrôle qualité, il y a la coordination des activités de recherche, contrôle qualité météorologique, standardisation des sciences et technologies spatiales. Et dans affaires internationales, bah, il y a des affaires internationales. Voilà. La station spatiale chinoise, du coup, elle est à droite. Je vais commencer par la gauche. Les caractéristiques, c'est les noms des catégories que je vais vous expliquer juste après. Station spatiale internationale, l'ISS, j'ai fait une vidéo dessus. Si j'y pense, je la mets en fiche en haut à droite tout de suite. Après, allez la voir à la fin de cette vidéo. Hein. Allez pas la voir maintenant, regardez celle-là avant. La station spatiale Tiangong 2, c'était l'ancienne station spatiale chinoise qui a existé de 2016 à 2019. Elle était beaucoup plus petite que l'actuelle, ou même beaucoup plus petite que l'ISS. Et sinon, la station spatiale chinoise actuelle, donc Tiangong 3, c'est dur à dire ça, elle a été lancée en 2021 et elle est prévue pour. Elle doit durer pendant encore assez longtemps. Voilà, donc la station Tiangong 2. C'est l'ancienne, du coup c'est vraiment une toute petite. Hein. Elle était vraiment toute petite, elle faisait juste 14 mètres cubes. C'est pas énorme, 14 mètres cubes. 14 mètres cubes, ça fait... J'ai pas en tête là tout de suite, mais c'est petit. C'est pas très grand. Voilà. C'est vraiment assez petit. Genre imaginez un couloir de 7 mètres par 1 mètre, haut de 2 mètres. 2 mètres un peu plus petit du coup que le toit des maisons par exemple, bah en général c'est 2 mètres. Et vous imaginez un couloir de 7 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. Ça fait approximativement 14 mètres cubes. Voilà, c'est assez petit. Sinon 110 mètres cubes, c'est un petit peu plus grand. C'est quand même beaucoup plus petit que les 388 de la station spatiale internationale.
où il y a d'ailleurs actuellement l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti pour faire pour dire bonjour à l'Europe. Voilà, il y a d'autres astronautes aussi, elle est avec le crew 4 de SpaceX. Voilà, et d'autres aussi, il y a des Russes, voilà. Donc l'ISS, c'est les modules pressurisés que je dis, hein. Voilà. Parce que sinon, bah, en fait, c'est juste les modules où ils peuvent vivre sans être dans un scaphandre, sans être en sortie extravéhiculaire. Voilà. La masse totale, 66 tonnes, contre 420 pour l'ISS, ou quasiment 9, même pas 9 pour l'autre, la première station spatiale chinoise. Bah, je crois que c'est la première. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Tiangong 2, c'est peut-être la deuxième. J'en ai pas vu d'autres avant, mais c'est peut-être la deuxième. Voilà, je sais pas, c'est sûrement la première. Mais si la première, je vois pas pourquoi ils auraient mis deux. Voilà. Les modules pressurisés, il y en a 3 pour le moment dans la station spatiale chinoise, elle est en train de s'agrandir. Et il y en a 16 dans la station spatiale internationale. Par exemple, le module de l'agence spatiale européenne, Columbus, le laboratoire Columbus, c'en est un. Pour l'ISS. Le laboratoire Kibo, qui est le laboratoire japonais, c'en est un autre. Voilà, par exemple. L'équipage, en moyenne, il peut y en avoir 7 dans l'ISS. Là, ils sont 4, 5, 6. Ils sont 7, je crois d'ailleurs. Tiangong 2, ils pouvaient être 2 max. Mais pas tout le temps. Ils sont pas toujours obligés d'être 2, alors que dans l'ISS, il y en a toujours au minimum 1. Non, 2. 3. Il y en a toujours. Toujours au minimum. Bah, toujours. Il y en a toujours. Et par contre, dans la station spatiale chinoise, ils sont que 3. Donc, peut-être qu'il y a quand il y a un changement d'équipage dans la station spatiale chinoise, ils peuvent être jusqu'à 6, mais pendant peu de temps. Voilà, comme ils peuvent être 12 dans l'ISS, si une expédition. Donc, une expédition, c'est un changement d'équipage. Voilà, les portes d'amarrage, il y en a 8 sur l'ISS. Il y en avait 1 sur l'ancienne station spatiale chinoise. Et il y en a 3 sur l'actuelle station spatiale chinoise pour s'ils veulent racheter des modules ou s'ils veulent amener des cargos. Voilà. Non, c'est plus s'ils veulent amener des cargos. Les portes d'amarrage, je crois que c'est pas pour les autres modules. Je crois. Peut-être que je dis de la merde, mais je crois. Sinon, la puissance électrique en kilowatts, c'est pas mal. Voilà. C'est grâce aux panneaux solaires en fait. L'ISS peut avoir 110 kilowatts. Tiangong 2. Oh, j'ai bien dit. Tiangong. Bah, pouvait en avoir 2,5. C'est vraiment pas énorme. Hein. Bah, je sais même pas si c'est ce qu'on consomme dans une maison. Je sais même pas. Je sais même pas si c'est ce qu'on a besoin dans une maison normale pour une famille. Et sinon, la station spatiale chinoise, 27 kilowatts. Voilà, c'est. Bah, j'ai pas trop de comparaison par rapport à ce qu'on utilise nous, mais voilà. C'est pas mal aussi. Quelques photos de la station spatiale chinoise Tiangong 3, donc celle qui est à droite dans le tableau. Voilà, avec des astronautes. C'est une nouvelle, elle a été mise en orbite en 2021. On va voir juste après les équipages. Les deux équipages qu'il y a eu. Il y en a un qui est encore en ce moment et l'autre qui est revenu sur Terre. Voilà, par exemple, celui qui est revenu sur Terre, du coup, c'était l'équipage de Shenzhou 12 qui est à gauche de l'écran. Les Shenzhou d'avant, c'était sur l'autre station spatiale. Voilà. Donc, entre 2021 et 2021, ils sont décollés en 2021, ils sont revenus en 2021 sur Terre. Après un voyage de à peu près 6 mois, je crois que c'est 5 mois même pour être plus précis. Si je dis pas de bêtises, ils sont partis le 21 juin et ils sont revenus le 21 septembre. Je crois que ça fait 5 mois. Voilà. Donc, je vais pas prononcer leur nom parce qu'ils ont des noms particuliers. Voilà, pour un français ou même pour un européen, bah pour un non chinois, c'est dur à dire, je pense, un peu quand même leur nom. Voilà, vous avez, je pense, des idées de noms chinois en tête. Voilà, si je le dis, je vais essayer à faire des fautes de prononciation. Donc, je vais pas le faire. C'est notre deuxième mission, Shenzhou 13, qui contient, ça se dit, ouais. Ouais, qui contient dans l'équipage une femme, qui est la seule femme qui a été recrutée parmi les 18 astronautes en octobre 2019 ou 2020. Je sais plus, voilà, sur 17 astronautes. 19, bah t'as l'iconote du coup, non 18. 17, 18, à peu près par là, il y a une seule femme et elle est actuellement dans la station spatiale chinoise. Elle a décollé en 2021 et avec deux autres membres de l'équipage. Et cette mission s'appelle Shenzhou 13. Voilà. Les fusées chinoises maintenant. Vous êtes prêts? Tac, tac. Voilà, toutes les fusées. On est retourné à la première. Donc toutes les fusées chinoises s'appellent Longue Marche. Je sais pas pourquoi. Faut pas me demander. Voilà, Longue Marche 1, 2, 2C, 2D, 2E, 2F, 2F, 2G,
F/T 3, 3.A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5, 5B, 6. Voilà, etc. Oula, j'étais un peu vite. Donc si vous voulez, faites pause. Si vous voulez regarder les bases de lancement à droite, c'est d'où elles peuvent décoller. Ou d'où elles ont déjà décollé et de où elles peuvent décoller. Par exemple, si on regarde ce qui est tout en bas, la longue marche 3, elle a été retirée. Ou les deux premières aussi. Elles ont dû servir un peu. Mais voilà, elles sont parties. En activité, sinon il y en a quelques-unes. Je peux les compter si vous voulez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. J'en compte 17. Voilà. Et voilà, donc faites pause si vous voulez. Voilà. Les fusées chinoises. Sinon la LM, donc pour longue marche 5, c'est celle qui a envoyé les deux équipages vers la station spatiale chinoise. Donc Shenzhou 12 et Shenzhou 13. Donc longue marche 5. On peut la voir à droite sur l'image de droite pour avoir une idée de la taille. C'est CZ5, elle s'appelle, celle qui est tout à droite. Voilà, celle qui est tout à droite, c'est CZ, ça doit vouloir dire longue marche en chinois. Et sinon, un peu à droite, c'est la LM2F. Donc c'est la CZ2F, du coup, qui est un peu plus à gauche. Pas qui est tout à gauche, un cran à droite. Un cran à droite, celle qui est tout à gauche. Voilà. Donc si vous voulez voir à peu près les différences de taille des fusées, voilà. C'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre mon serveur Discord. Il est dans la description. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur le domaine spatial. Donc dimanche prochain ou sinon mercredi ou lundi. Bah lundi ou mercredi pour une autre nouvelle vidéo sur Minecraft. Allez, à plus!